Bonjour à tous, je fais juste cette petite parenthèse car je me suis rendu compte que j'ai oublié dans la vidéo de remercier Mini Banana HD qui m'a réalisé cette magnifique intro que vous avez pu voir. Voilà, je mets le lien de sa chaîne dans la description. Je vous laisse en compagnie de ma vidéo en espérant que vous allez passer un agréable moment. Allez, salut! Bonjour à toutes et à tous, c'est Origam33 et on se retrouve aujourd'hui pour la suite du mode survie sur Minecraft. Voilà, je vous ai quitté. Donc, sur cette petite cabane, cette petite grotte qui me sert d'abri. Et nous étions en quête, il me semble, de moutons pour me faire un lit, pour pouvoir enregistrer. Donc, nous allons essayer de partir à cette recherche. D'abord, où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est? 156, 66. Ok, je vais essayer de noter ça. 156, 66, 167. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans déjà? On va prendre un peu de... Oh, bah, j'ai pas grand-chose, dis-toi. Bon, j'ai mes outils sur moi. C'est parfait. Il va falloir que je me fasse une épée. Alors, j'aimerais vous remercier tout d'abord, pour l'accueil que vous faites à mes vidéos. Voilà, j'ai sorti la deuxième. Elle a pas trop mal marché, hein, n'empêche. Parce que elle a tourné une semaine sans que mon cousin me fasse de pub. Voilà. Tout bueno. Elle a fait 1500 vues et des poussières, et je suis très content. Franchement, vous savez, enfin, je vous l'ai déjà dit, hein, je ne fais pas ça pour les vues, mais bien sûr, ça fait toujours plaisir quand elle est visionnée un maximum de fois, hein, forcément. Donc, à vrai dire, pour tout vous dire, j'enregistre cette vidéo un peu à l'arrache, parce que tout simplement, j'ai pas trop le temps en ce moment. Donc, j'essaye de faire ça bien, mais c'est pas évident, avec l'emploi du temps que j'ai. Mais je vais quand même essayer de vous proposer un minimum de qualité assez régulièrement. Voilà, donc on va aller chercher un peu de pierre. Oui, j'étais à côté, je sais pas pourquoi je suis parti moi. Un peu de pierre, tout simplement pour me faire une épée. Oui, un peu de pierre, un peu de fer si possible. C'était où ça maintenant? Pas possible ça. Alors, ah ben voilà. Allez là. Voilà, il y a du fer. On va piocher ça. Hop. Un peu de pierre. Ce sera toujours utile de toute façon. Excusez-moi, je suis un peu malade. Je n'ai pas une voix extraordinaire. Du coup, excusez-moi si je tout saute un peu. Alors, on va aller là-bas. Il y a un peu de. Je sais qu'il y a un squelette là, je l'ai vu. Il faudrait que je déboîte. Ouais, je vais le déboîter. Ici, toi. Voilà, toi t'es clapsé. J'avais cru voir un truc, mais c'est bon. Alors, qui est le fer là que j'ai vu? Attendez, c'est fou quoi. Attendez, j'ai vu du fer, c'est possible. Attendez. Montez. Ah, check. Epic fail. Alors, ah, il est là-bas, c'est bien ce qui me semblait. C'est juste que de là où j'étais, je pouvais pas le voir. Allez, on monte. Hop, on va choper ça. C'est parfait, un bon petit filon. Ce qu'il me faudrait aussi, c'est un peu de charbon, mais bon, au pire, si j'en trouve pas, je ferai cuire le fer avec du bois. N'est-ce pas? Mais bon, pour l'instant... J'ai dû faire, c'est déjà pas mal. C'est bien de casser des pierres, mais bon, si je peux pas les récupérer après. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Tiens, je suis curieux. Oula, une flèche tout. Ah oui, d'accord, il y a un squelette. Voilà, allez, c'est bon. On va pas laisser ça comme ça. Ah! Genre! Il me poursuit, quoi. Viens ici, toi. Non mais, oulala. C'était limite hein, quand même. Hein. C'était limite. Là, à vrai dire, je me serais senti con de mourir là, comme ça. Bon allez, on va remonter. On va se faire une épée, on va se faire un petit peu... nécessaire.
histoire d'être un minimum efficace. Voilà, bon, on va accélérer un peu. Ah, j'ai pas de bouffe aussi, là. Voilà. C'est un peu la dèche, hein. C'est un peu la crise grecque, quoi. Allez, le four. Là, bon, tant pis. Hop, voilà. De toute façon, le bois, hein, ça se récupère facilement. On va attendre un peu, pendant ce temps-là. On peut aller récupérer des choses. Il y a des vaches là-bas, on va essayer de récupérer un peu de bœuf, un peu de bif. Histoire de se nourrir convenablement. Hop. Là, ici. Alors, j'aime pas tuer les vaches. Ça prend une cavée de temps. Sauf si vous avez, bien sûr, l'instrument adéquat, hein. C'est chiant parce qu'elle court. Là, ouh! J'ai une limite. Mais voilà, mais avec une pioche aussi, vous avez qu'un steak, quoi. Du coup, c'est pas bon, donc. Ici, toi. Ah, ouh! T'es rentable, celle-là. Allez. Du cuir un peu, là. On retourne tranquillement là où on était. Ah, là. Oui, donc, au fait, oui, je pensais à ça. Dites-moi si vous avez des questions. Hein, la section commentaires est là pour ça. Hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, je suis là pour y répondre. Et j'essaierai de répondre dans une prochaine vidéo. Hein. N'hésitez pas, pour la dernière fois, à laisser... vos impressions, vos commentaires, vos questions, et je tâcherai d'y répondre. Voilà, tout simplement. Alors, on va essayer. Alors, on va faire. Est-ce que c'est comme ça? Oui, c'est comme ça, bien sûr. Bien sûr que c'est comme ça. Évidemment que c'est comme ça. Là, l'anomalie est réparée. C'est vrai que commencer un mode survie sans épée, c'est pas génialissime. Une petite pioche. Ça sert toujours. Pour l'instant, ça ira. De toute façon. Pas faire grand chose de plus, juste faire cuire le bœuf. Voilà, hop. Excusez-moi, j'ai toussé. Ah, la maladie quand ça vous attrape. Allez, on cuit tout ça. Allez, alors. Quelles coordonnées j'ai dit? 156, 67, ouais, 170, 105, ouais, allez, ouais, c'est bon. Une fois, de toute façon, je serai dans ces deux-là, je pourrais les retrouver facilement. 156, 67, c'est bon, tranquille. Easy caramel. Allez, mets ici, toi. Allez, on y va. On va à la chasse aux moutons. Ça, c'est intolérable. Ne pas avoir de lit. Ce n'est pas possible. Allez, go. Mon épée. J'aurais dû laisser le cuir à la maison. C'est pas grave, de toute façon. C'est pas très important. On va se faire de la vache, quand même. Oh. Toujours ça de prix. Ici, viens ici, viens ici, viens ici. Ah. Voilà. Bon, allez. Je suis là pour tuer des vaches. Laissons-les vivre en paix, ces pauvres vaches. Et allons dans la forêt. On va essayer d'accélérer un peu, c'est bon. C'est pas tout ça, mais... Ce serait bête d'y passer un épisode, quoi. À la recherche du mouton, quoi. Ça pourrait faire un bon titre d'épisode, ça. À la recherche du mouton. Ah, voilà. La forêt qui fait laguer. Ça, j'adore. Ça, c'est vraiment un truc. Hop. Allez. Des vaches. Et encore des vaches. Toujours des vaches. C'est insupportable. Tiens, un village. Y a-t-il des habitants? J'espère qu'ils vont pas m'attaquer.
Bonjour. T'es bizarre, toi, un peu. Oh là là. On dirait mon cousin, quoi. Incroyable. Bon, mais c'est pas là que je vais trouver du mouton, moi. Hein. Vous allez voir que la nuit va tomber, j'aurai rien trouvé encore. Ce serait pas mal. Ouais, mais dans le désert aussi. Voilà, quoi. Bon, vous savez quoi? Je vois que la nuit tombe. On va faire comme dans le premier épisode. C'est-à-dire qu'on va se quitter là. Sympa pour accéder aux maisons, dis donc. N'importe quoi, ça. Je sais pas qui c'est qui a fait ces baraques, mais... Oh là. Mais quel chelou, quand même. Je m'incruste. Salut les gens. Petit chez toi. Hein. Bouh. Porc. Ok. Eh bien, nous allons nous quitter ici, dans ce charmant petit village. Et nous nous retrouvons juste après la nuit. Allez, à tout de suite. Et donc, nous nous retrouvons maintenant. Il fait jour. J'ai patienté comme j'ai pu. Lui, il est toujours là. Il n'a pas bougé. Il n'a pas dormi. Hein. Je l'ai surveillé et tout, mais il n'a pas dormi. Allez, on va manger un petit bout. Petit déj oblige. Et hop, on retourne à la quête du mouton. Je sais pas, c'est un bug. Hein. Dites-moi dans les commentaires... Si ça vous fait, vous aussi, ça, c'est un bug, ça, qu'il y ait un bloc de décalage, en fait. Parce que, voilà, c'est pas très pratique, sinon. Et là, avec les lampadaires qui flottent dans les airs et tout, c'est pas génial, quoi. Allez. Encore des vaches. Non, mais c'est pas possible, c'est cheaté, ce jeu-là. Il n'y a que des vaches, quoi. Il a réussi à trouver un mouton, hein. Il faudra aussi que je parte en excursion pendant une nuit, mais ça il faudra que je sauvegarde avant, donc il faut que je trouve un lit absolument, mais enfin, un lit, faut que je trouve un lit, faut que je trouve du mouton. Partir en excursion pour faire de l'expérience quoi, que je tue du zombie et tout quoi, ce serait pas mal. C'est bon, c'est bien beau, mais... Pff, oh là là, c'est pas possible. Bon, si on en trouve pas, tant pis, hein. Je cheaterai pour ça quoi. C'est con, mais bon, en même temps, pas me faire chier pendant trois épisodes à chercher du mouton, quoi. On va bien voir. On va bien voir. Si j'en trouve pas d'ici 3 minutes, tant pis. Eh, il y a beaucoup d'eau, là, quand même. Ah, de la pluie. Génial. J'ai une petite carrière là donc. J'ai une petite carrière, c'est intéressant ça. Mais bon, c'est pas là que je vais trouver du mouton. Allez, on va monter, on va boire, allez, on va retourner à la maison. Ça... Ah, ça m'ennuie quand même, hein, parce que j'aurais bien voulu ne pas utiliser quoi que ce soit, quoi, comme cheatage, quoi. Mais bon, là en l'occurrence, j'ai pas trop le choix, quoi. Aïe, pique. Donc si je ne m'abuse, ma maison est par là. Enfin ma maison. Mon abri de fortune. Oui, c'est par là. Et puis je commençais à me faire une maison en pierre quand même. Ce serait pas mal. Quoi ? Ah, voilà toi. Déboîté lui. Pouh, il n'a rien vu quoi. Allez, oh tiens, voilà. Je suis plus sous la pluie. Je sais pas si vous connaissez le film The Truman Show, où il y a une scène, c'est avec Jim Carrey le film. Il y a une scène où on lui balance de la pluie dessus. Avec, je sais pas, un petit seau, enfin, un petit seau, entre guillemets, quoi. Mais ça fait un rayon d'un mètre de diamètre, quoi. Et à chaque fois qu'il se déplace, ça le suit. il est génial, ce film. Je sais pas si vous l'avez vu. Voilà, donc on est de retour. On a ça. Bon, écoutez, hein.
On va faire appel à la table magique. encore faut-il que je trouve l'ennemi. Oui. Oui. C'est quoi? Bon. Qu'est-ce que je m'embête, moi? Qu'est-ce que je m'embête à chercher le produit fini? Voilà. Hop. Voilà. Hop. Voilà, c'est bon. C'est bien beau de chercher le mouton, là, parce qu'elle est quelque part par là. Hop. Hop, forcément. Là, on a notre grille. Vous m'excuserez. Pour le coup, on va aller miner, je pense. On va aller miner un peu. Je ne sais pas combien de temps de vidéo on en est. Donc on va continuer un peu, de toute façon, hein. Même si ça fait 20-25 minutes. C'est pas un souci. Pas non plus que ça fasse 3 heures, mais 25 minutes, je peux accepter, quoi. Alors, on va prendre notre petite pioche. Là. On va voir ce qu'on peut trouver d'intéressant. Hop. Hop. Voilà. Ah, mais j'ai pas de torche. C'est dommage. J'espère que vous y verrez assez. Normalement, il n'y aura pas de soucis parce que là, on n'est pas trop profond non plus. Donc ça doit le faire. On va aller chercher là un peu. Hop. À plus pioche. À plus pioche, là. Bon, là, il n'y a rien. Hop. Tiens, on va essayer d'explorer un peu. Je vois qu'il y a du sable, donc on va pas être loin de la surface, de toute façon, vu que déjà... Ouh, une araignée par là. J'ai entendu un petit Spider-Man. Ah. Peu de fer, là. Je regarde s'il n'y a pas trop de bébêtes. Non, il n'y a pas trop de bébêtes. Là. Hop. Là aussi, on récupère. Ça sert toujours. Là. Ah, du charbon. Parfait. Parfait, parfait. On récupère ça. Ça c'est bien utile, ça. Tout ce qui est torche. Tout ça, tout ça, tout ça. Ah, il y a même du fer. C'est Amérique. Ah, voilà, bah, c'est la partie un peu relou de Minecraft. Un peu relou, mais en même temps, quand on commence à chercher du diamant et tout, c'est... Voilà, quoi. Mais... assez long, quoi. Mais une fois qu'on en a, on est content, quoi. Ça qui est bien. Mais c'est sûr qu'au départ, quand on doit commencer... Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, hein. Moi, je sais que ça me passionne pas des masses, quoi. Moi, dans Minecraft, en fait, ce que j'aime bien, c'est tout côté construction. Après, tout ce qui est exploration, peut-être c'est la nuit. Faut faire gaffe. Essayer de pas se faire buter. Avouez-le, ce serait dommage. Mais pourquoi ça éclaire en bas, là? Ça m'intrigue, ça. Ah, bah oui. La santé. Voilà, je le charbon et on se taille. Par contre, c'est par où la sortie? Le charbon là. Oui, ben là, on va dormir. Hop, petit escalier naturel, c'est ça qui est cool. Hop, oui, voilà, c'est là, tranquille. Hop, hop, on saute et on se casse la patte. Ah, mais j'ai cru que c'était la nuit. On aurait cru. Ah ouais. Bon, bah tant pis, c'est pas grave. De toute façon, ça devrait pas tarder non plus, quoi. Allez, on va se dépêcher. Hop. Voilà, c'est ce qui me semblait. Alors, oui. Ah bah oui. Bah oui. Bah oui. Eh ben oui, bon. On met ça à cuire. On va ranger un peu ce qu'on a dans l'inventaire dans le coffre.
Hop. Oh non, la bouffe, je la garde, ça sert toujours. Ça, je peux enlever. Là. Hop. Et puis, on va pas tarder à se quitter, les gens, mine de rien. Parce que, à ce que j'en pense, ça fait déjà un petit moment que nous sommes ensemble. Pas que je m'ennuie, hein. Mais c'est juste que il va falloir se quitter, tout simplement, pour laisser place à une prochaine vidéo. Allez, on se va se laisser ici, comme pour la fin du premier épisode. Voilà, je vous aime, je vous apprécie, je vous embrasse, je vous remercie encore pour vos j'aime, pour vos commentaires, ça fait très plaisir, donc si vous voulez vous abonner, allez-y, ça fait plaisir, laissez un j'aime, laissez un petit commentaire, et à bientôt, allez, ciao ciao!